Second. Gear. Third. Gear. Fourth. Monkey D. Luffy. お前を超えて海賊王になる男だ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Bench Rush. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, on va parler du Gear Thieves. Incroyable, j'espère que ça vous a plu. Et là, on va partir voir un peu le perso, ses traits et ses compétences avant d'aller voir son gameplay. C'est parti. La première compétence qui est Foudre Gum Gum, c'est la traduction en française, mais c'est Kaminari en japonais. Temps de recharge 28 secondes. Une attaque de zone à longue portée avec une chance d'électrocuter les ennemis. Si le choc ne peut pas être infligé, il y aura un recul. L'attaque ignore les obstacles. Devient temporairement invincible après l'utilisation. Et en plus de ça, on acquiert un debuff d'attaque au niveau 5. On va parler également du type du perso. On ne parle pas de la couleur, bien sûr du type. Compétence 2.1 s'appelle Pistolet Gum Gum Bajrang. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une seule fois par apparition. Du coup, c'est une compétence vraiment très stratégique. Il sera à nouveau disponible après la réapparition. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on respawn, à chaque fois qu'on meurt et qu'on respawn, on aura la possibilité de réutiliser cette compétence. Si vous utilisez Gum Gum Bajrang, la compétence 2 deviendra Gum Gum Giant. Une attaque de zone à longue portée avec un effet de recul. Les dégâts infligés ignoreront les statistiques de défense de l'ennemi ou des ennemis au cas où on en touche plusieurs. L'attaque ignore les obstacles. On devient temporairement invincible après l'utilisation. Je pense qu'on peut partir sur 3 secondes d'invincibilité, c'est vraiment pas mal. Cette compétence ne peut pas être utilisée dans certains endroits où il y a des obstacles au-dessus. Compétence 2.2 Gum Gum Giant. Temps de recharge 37 secondes au niveau de compétence 5. Si vous utilisez Gum Gum Bajrang Gun, la compétence 2 deviendra Gum Gum Giant. Une attaque de zone à moyenne portée avec un effet de recul. Les dégâts infligés ignoreront les statistiques de défense de l'ennemi ou des ennemis. Annule Stager pendant une période de temps définie. Type. Il utilise tous les types. Je vais vous expliquer en même temps que je vous décris ses traits. Annule les chocs et l'entrée. Lorsque vous commencez à remplir la jauge de trésor, la classe devient défenseur. Lorsque vous attaquez un ennemi dans la zone autour du trésor de votre ennemi, la classe se transforme en attaquant. Et lorsque vous commencez à capturer un trésor, la classe devient runner. C'est broken, hein. C'est vraiment broken. Trait de défenseur. Lorsque vous vous trouvez dans la zone autour de votre trésor capturé, on réduit les dégâts reçus de 30%. Lorsque vous êtes dans la zone au trésor de votre équipe et que la jauge de trésor est à 80% ou plus, résistez à Stager et Knockback. Du coup, les Knockback, vous savez ce que c'est. C'est quand on est au sol. On peut ignorer l'ennemi et remplir la jauge de trésor un peu comme... c'est comme Oden et d'autres unités comme King, etc. qui ignorent les coups et qu'on a la possibilité justement de capturer sans se faire sortir ou cancel pendant la capture. Et récupérer la jauge de trésor 50% au-delà de son montant maximum. Caractéristique de l'attaquant. Lorsque vous êtes dans la zone autour du trésor de votre ennemi, augmentez les dégâts infligés de 30%.
lorsque votre HP est supérieur à 70% résisté aux effets Stager. Lorsque vous utilisez la classe 2, votre attaque augmente de 30% pendant 20 secondes. Et impossible d'accumuler, bien sûr, ça, sinon ça serait un petit peu trop cheaté. Les traits du coureur, des runners. Lorsque vos PV sont à 70, 100 ou plus, vous augmentez la vitesse de capture de 50%. Oh, c'est broken, hein. C'est vraiment broken. Pendant que vous capturez le trésor, on résiste aux stagers et à la mise à la terre, les clunk rollback. Récupérez 30% des PV et réduisez le temps de recharge de la compétence 1 de 20% lorsque vous capturez un trésor. Le perso est vraiment, mais vraiment broken. On attaque le dernier trait. Caractéristique 1. Lorsque vous repoussez un ennemi, augmentation de la défense de 20%. Et augmente jusqu'à 70%, mais se remet à zéro une fois KO. C'est logique, ça serait trop fort sinon. Trop fort. Augmenter la speed de 20%, du coup la mobilité, pendant 10 secondes. Impossible d'accumuler justement cet effet. Dans la zone au trésor, réduction des dégâts reçus de 30% et augmente les dégâts infligés de 20%. Après avoir maintenu le bouton de compétence enfoncé pendant le premier coup d'un combo d'attaque normal, le deuxième coup de l'attaque se transforme en une contre-attaque qui repousse les ennemis et en devient temporairement invincible. C'est trop broken, c'est trop fort. Lorsque vous renversez un ennemi, récupérez des PV de 15% et réduisez le temps de recharge de la compétence 2 de 15%. Lorsque votre HP est supérieur à 50%, supprimez les effets de statut et annulez les effets de statut infligés par l'ennemi. Oh là 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 là, la gueule du perso! Mais il va être méta pendant un an! Il va être vraiment méta pendant un an. Lorsqu'il est attaqué par un ennemi dont les paramètres sont améliorés, supprime les effets de statut appliqués à l'ennemi qui améliore sa cible pendant un certain temps. Lorsque ce trait s'active, il annule également les effets de statut appliqués à l'ennemi. Et ne s'applique pas à l'invincibilité. Réduit également le temps de recharge de la compétence de 7%. Non mais c'est broken de fou furieux. Qu'est-ce qu'il vient de créer? Qu'est-ce qu'ils viennent de créer? Vraiment, les joueurs de chance, ils vont prendre un coup. Ils vont vraiment prendre un coup. Comme vous l'avez vu, le perso peut justement changer quand il est sur le trésor, son type. Et c'est vraiment très très fort. Je crois que c'est le premier perso qui fait ça. A contrario où Onigashima, Zoro Onigashima, lui, avait seulement les trois couleurs. Il n'avait pas cette possibilité-là de changer de type. Par contre, le perso duo Onigashima, Lo et Kid, eux, ils changent de couleur et de type. Mais ils vont quand même se faire littéralement one-shot parce que ce perso-là a la possibilité de stun, frappe en zone, touche tout le monde. Il a l'invincibilité et il change de type. C'est le perso le plus complet à l'heure actuelle. On va voir un peu son gameplay maintenant. Alors, j'ai enlevé le son parce que les commentateurs parlent en même temps. Voici à peu près ce que donne le perso. Là, il est de type tank. Ok. Très lent comme vous le voyez. Ils ont vraiment recopié le perso de l'anime par rapport à sa course. Et son auto-attaque, vraiment, elle est intéressante. Parce que il a quand même une assez grande portée. Du coup, là, quand il capture, comme vous l'avez vu, il change de type. Et du coup, là, il bascule. Du coup, son type natif, c'est tank. Hein. Du coup, là, il capture, il est rouge. Enfin, il est runner. Et du coup, là, il gagne un peu plus de vitesse. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va reculer et normalement, il va balancer son attaque duo. Il a quand même une assez grande portée pour ses auto-attaques. Tiens. C'est vraiment très intéressant. Son niveau de capture est quand même assez rapide, je trouve. Hein. Ok. Du coup, le stun, vraiment une très grande portée. On revient un peu en arrière. On va voir si ça va jusqu'au bout.
faut qu'on réduise un peu la vitesse. Ok, c'est parti. Ils ont dit long range, hein. Normalement ça doit être très très long. Ouais, ça va jusqu'au bout. Enfin, presque au bout. Du coup, là, vraiment, c'est vraiment une longue distance. Et il n'y a pas de limite sur le nombre de personnes touchées. C'est vraiment très broken. Et ça reste quoi, 3 secondes 3 secondes de stun. Plus il applique un DPF à l'ennemi. Réduction de vitesse de déplacement. Ouais, c'est ça. Hein. C'est broken. Hein. C'est vraiment broken. C'est quoi cette range? C'est 2 fois la zone de capture? Voire 3 fois? La zone de capture, elle est là. Ça va de là jusqu'à là. Ça prend 2 zones de capture? 3 zones? Enfin, presque 3 zones. C'est quoi cette folie? Et du coup, le coup de pied. Ok, par contre, le coup de pied, c'est juste la zone de capture. Contre, oh. Le pistolet Bajrang, c'est n'importe quoi. Hein. C'est trop, trop fort. Et ce Legendary, faudra invoquer dessus. Hein. C'est Yex, faudra invoquer dessus. Hein. Obligatoire. Hein. Méta 1 an, changement de chip. Très très longue portée. Et surtout quand on maintient son auto-attaque, il a une contre-attaque derrière. Et derrière, il a un buff en attaque de niveau 1, buff en défense de niveau 2 et buff en vitesse de déplacement niveau 1. C'est trop fort. C'est trop trop fort. C'est une dinguerie. Le meilleur perso au monde. Voilà. Bon, voilà. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Je vous dis ciao et à la prochaine, peace.